Bonjour, je suis Françoise Roudier, actuellement directeur général de l'école et depuis 2013. Précédemment, et de nombreux diplômés m'ont connu à ce titre, professeur de marketing. Et puis j'oubliais, je suis également un pur produit de cette école puisque j'en suis sortie diplômée en 1980. Alors nous avons créé une fondation avec un rôle très clair, accompagner l'école dans son développement, c'est-à-dire très concrètement financer des projets dont l'école a besoin pour assurer sa pérennité et pour pouvoir servir à la fois mieux les étudiants, les entreprises et l'ensemble de nos partenaires. Donc la fondation va collecter des fonds et ces fonds vont être affectés dans 4 directions, soit qui seront fléchés par les donateurs, soit il y aura une affectation libre et nous les affecterons du coup sur les projets que nous avons choisis dans 4 directions. Le premier, c'est l'ouverture sociale et l'égalité des chances, permettre à des étudiants méritants de pouvoir poursuivre leur cursus de formation jusqu'au diplôme dans les meilleures conditions. Un second axe sur l'innovation pédagogique et la recherche, qui sont aujourd'hui des éléments déterminants dans le positionnement des écoles. Un troisième axe sur les dynamiques entrepreneuriales. Et enfin, un axe qui va être plus spécialement orienté vers l'insertion professionnelle. Autrement dit, doter tous nos élèves des outils du job marketing et favoriser l'accès au premier emploi au meilleur niveau, qui est notre promesse sur l'ensemble de l'école. Comme vous l'aurez compris, notre école est entrée dans une nouvelle phase de son histoire. En 2019, d'ailleurs, notre école fêtera son centenaire. Et la fondation que nous venons de créer est en fait un acte majeur de refondation de notre école, de votre école.